toi et moi, nos forces armées collaborent. Est-ce que tu ne peux pas procéder de cette façon? J'ai eu à discuter avant que toi tu ne viennes au pouvoir. Tous ceux qui t'ont précédé, je les connais. Est-ce que tu souhaiterais que j'aille leur parler? Peut-être que moi, ils m'écouteront mieux. Mais est-ce que ça n'a pas déjà été fait, ça, depuis tant d'années? Quand il y a les commissions de l'Union africaine qui viennent intervenir, c'est quoi? L'Union africaine, c'est le club des présidents auto-élus qui viennent donner des conseils à d'autres. Est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation crédible avec des, tu l'as dit, vous l'avez dit tout à l'heure, mon frère, des criminels, des dictateurs? Biya, qui est là depuis 150 ans au Cameroun, va venir donner des conseils à Touadéra pour savoir comment stabiliser les choses. Pourquoi pas? Je pense qu'il arrive un moment où quand vous voulez sortir... Il a une expérience. Dans le crime, oui. Mais je ne sais pas si c'est ce qu'on veut. Non, en tant que chef d'État. En tant que dictateur, en tant qu'autocrate, oui. Certainement. Mais moi, je vous donne un exemple simple. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut en RCA. Si on veut des conseils en dictature, appelons Paul Biya. Si nous voulons des conseils, justement, en disparition de la démocratie, appelons Paul Biya, appelons Idriss Déby, appelons tous ces dirigeants qui sont en effet la Champions League de la dictature. Donc finalement, si maintenant, on veut des conseils en démocratie, c'est comme quand je veux regarder du football, si je veux du football sérieux, je veux pas voir le PSG, parce qu'on sait toujours qu'en huitième de finale, ils vont se faire éliminer. Si maintenant, on veut autre chose de plus sérieux, on va voir la Juventus de Turin. Eh bien, je dis que, en démocratie, qui ici représente la Juventus de Turin? Des gens comme monsieur le président du Ghana, par exemple. Et peut être un élément de réflexion parce qu'il prouve. Mais n'a-t-il pas déjà trop de dossiers? Il a trop d'affaires. Ah, oh, mais Biya n'a pas trop d'affaires, ne serait-ce que dans son propre pays. CEDEAO est là. J'ai l'impression aussi que. La CEDEAO quoi? Mais Nana Akufo-Addo a plusieurs chats à fouetter. Il était au Togo récemment. Ah bon? Et donc parce qu'il a plusieurs chats à fouetter. Mais l'Union africaine, donc on est très loin de l'unité africaine dont parlaient nos pères, puisqu'on n'est même pas capable de se dépasser d'une région à une autre. Encore faut pas s'étonner qu'il y ait des différences et des difficultés pour voyager de la CEDEAO à la CEMAC dans ce cas.